victoire pour le Britannique Callum Bradshaw, ce numéro 2. Avec lui, à la seconde position, Chris Lulam, le 160. Le troisième, Rens Van Pelt, le 19, suivi par Dennis Hauger, le 51, qui est quatrième. Cinquième, Xavier Dias, le 184. Derrière ce pilote français au sixième rang, nous avons Copper Webster, le 136. Septième, le Belge Charles Wirtz, le 84. Huitième, Ethan Tan, le 123. Huitième, le 128, Jacob Mathias Oya. Onzième, le 141, Harry Platten. York, ce numéro 3, parti en 33e position, termine 11e. 12e, Dexter Patterson, le 176. 13e, le 40, Ethan Hockey. Sutumno, Tana Pong Pand, le 135, 14e. 15e, Alfred Nilsson, le 191. Le meilleur temps, c'est York qui l'a réalisé en 56 secondes, 338 millièmes. Ça représente une moyenne de 88,400 à l'heure. Is he close up? Okay, just to talk you through the start procedure. Okay, so you've got your warm-up lap first, and then on the second it's your formation lap. So when you go up to the hill you get the formation board. Okay, yeah, so first lap is warm, second lap formation. On the second time on the formation, when you come into the tram lines, you must hold position, all four wheels, yeah, all four wheels inside the tram line, understand? Yeah? I will be stood on the start line, yeah? So you need to hold, nice and slow, yeah, until you get to the start line, and then you can go. Okay? Is he here? No? Yeah, he's here. You're okay, I'll tell him, yeah? Just a quick word, yeah? Okay, on the start, same as before, first lap is the warm-up. Your second lap is the formation. Okay. Okay, on the formation lap, just make sure when you come into the grid lines, all four wheels inside the lines, and hold until the yellow start line. Yeah, I'll be standing on the line. Okay. Yeah, so don't run me over. Perfect. Have a good race. Thank you. Cheers. Okay. Ouais, c'est comme si c'était une porte en fait, tu vois. Tu penses, tu regardes dedans en fait. Il y a que ça qui est tout.
So, one more heat, Jean-Pierre. C'est quelle catégorie? The Masters, of course, the drivers age 30 years and over. That are going to be on the track now. So, the Master class for the next race. With, on pole position, Gilles Dasquin, he's a French driver. Jérémy Peclerc, it's a Belgian driver. Guti Mikkelsen comes from Peru. And Alexander Leota is a French. Nicolas Duchâteau, also French and French champion. Jérémy Ancon, another French driver. Wilfried Le Carpentier, he's French, as well as Mathieu Bourdon, as well as Cyril Collineau. And Fabien Quintica comes from Belgium. So we only have four nations involved in the top 10. So this is the X30 Masterclass with the 125cc two-stroke engines with 30 bhp, 16,000 revs per minute, and the drivers age 30 and over, including the veteran class for the drivers age 45 and over. Number 424 is in trouble in this race. It is Adrien Nergouti, I'm afraid. So Jean-Pierre, what happens on the track at the moment? It's Nergouti struggling to start his engine. Adrien Nergouti, qui est sur le point de s'immobiliser. Voilà, il est immobilisé à l'entrée de la courbe des deux chaînes, alors qu'en première ligne, eh bien, nous avons Gilda Quinquet, le 452, le poleman des essais chronométrés. Il est accompagné par le Belge Jérémy Peclerc, le 409. En seconde ligne, Guti Mikkelsen, le 404, et Alexandre Leota, le 403. La troisième ligne, Nicolas Duchâteau, le 499, et Jérémy Hannequin, le 449. Des pilotes qui ont fait les 24 heures, entre autres. Quatrième ligne avec Wilfried Le Carpentier, le 450, et Mathieu Bourdon, le 498, eux également ont fait des 24 heures. 8 victoires pour Le Carpentier. Cinquième ligne avec Cyril Le Collineau, le 495, et Fabien Keltika, le 416. Voilà, l'extinction des feux, c'est parti pour cette manche Master. Gilda Quinquet qui vient de prendre les commandes. Jérémy Peclerc, c'est à la troisième position. C'est peut-être Mikkelsen qui est à la seconde position, le 403. Bien non, pas du tout. C'est Alexandre Leota qui est à la seconde position. Ça se passe bien, on va dire, dans la courbe des deux chaînes. Et Jérémy Peclerc, c'est qui a pris les commandes. Gilda Quinquet est à la seconde position. Troisième position pour Alexandre Leota. Premier passage dans le banking. Pas de changement concernant les trois premières positions. Par contre, derrière, il y a du changement. Il y a des attaques positives pour quelques-uns. On attendra de voir de plus près ces pilotes. Alors que là, il y en a six qui ont créé la différence. Et dans l'instant, toujours emmené par le Belge Jérémy Peclerc. Yes, Belgium is in the lead thanks to Jérémy Peclerc, and then so many French and one driver from Peru. Quinquet in the lead with Jérémy Peclerc in Peclerc in the lead, Quinquet in second, Alexandre Leota in third, Guti Mikkelsen, here is the Peruvian driver, in fourth, and then it's Duchâteau, the French champion. Duchâteau, the French champion, is he in? Yes, he's in P5, and Quintica from Belgium took a great start. He's up to P6. Toujours Jérémy Peclerc qui est aux commandes avec, on va dire, 2 dixièmes grand maxi d'avance sur Gilles Quinquet, qui est toujours en seconde position, ce numéro 452. Troisième position toujours pour Alexandre Leota, le 403. La quatrième position pour Mikkelsen, Guti Mikkelsen, le 404. Derrière Mikkelsen, Nicolas Duchâteau, toujours en cinquième position. Il a été un petit peu lâché, alors que dans le passage du virage du Technopark, il y a eu du changement. Seconde position pour Alexandre Leota. C'est Gilda Quinquet maintenant qui est en troisième position. Alexandre Leota qui semble avoir de bonnes sensations. Il est juste dans le pare-choc de Jérémy Peclerc, qui est toujours dans cette première position depuis le départ. Le pilote belge qui s'est retourné. Ah, faut pas te retourner. Il y a des gens, il y a du monde derrière toi, très très proche. Le plus proche en étant Alexandre Leota, en étant également Gilda Quinquet. Et puis, on ne va pas oublier, bien sûr, Guti Mikkelsen, le 404, qui est à la quatrième position. Jonction effectuée entre une roue et une bonne quinzaine de pilotes.
Effectivement, Jean-Pierre, il y a de la belle bagarre dans cette catégorie des pilotes de plus de 30 ans. So now, Gilles Quinquet regained the leading position ahead of Léota. So the two French drivers in the lead. No, it's Pécleas in the lead for Belgium once again. And then the two French. Ooh, Quinquet overtaking Léota at the end of the Chemin au Bleu straight. Quinquet in second position and Léota in third. And then it's Gutti Nicholson in P4. And Duchateau seems to be up to P4, yes, ahead of Gutti Nicholson. And a problem for Léota, a problem for Alexandre Léota, unfortunately, the driver who has a great experience in karting, was already racing 15, 16 years ago, and he had a problem probably because he lost a few places in the straight, so I can't understand why, but Léota was fighting for first position, now down, he went down the order, and there's a clash with Gildas Quinquet, involving Quinquet and maybe Duchateau, and so now Quinquet has lost momentum. Toujours Jérémy Pécleas qui est aux commandes devant. Ah, il a eu, on va dire, 3 dixièmes d'avance. Ce n'est plus sur Gilles Quinquet, mais non plus sur Alexandre Léota. C'est Nicolas Duchateau, le 499, qui est à la seconde position. Troisième position pour Gutti Mikkelsen, me semble-t-il, qui a derrière lui Alexandre Léota est en sixième position. Quatrième position occupée par le 450, Wilfried Le Carpentier, que j'avais un petit peu oublié. Alors qu'Alexandre Léota vient d'améliorer sa position, il vient de prendre la cinquième position aux dépens du Belge Fabien Keltika, le 416, qui est donc en sixième position. Derrière Keltika, Gilles Quinquet, bien évidemment, qui est à la septième position. Jérémy Hanekan est derrière lui à la huitième position. Neuvième, nous avons Kenneth Chong, le 531, Franck Rouxel, le 441, dixième. Et second dans la catégorie des vétérans, c'est Kenneth Chong qui est en tête dans cette catégorie. Jérémy Pécleas leads. He's a Belgian driver of the RSD karting squad, and he was 29th last year in the final, which means he probably had a problem. He was also 10th in the national final of the X30, but it was a few years ago in France, so it's a Belgian driver who sometimes comes into France to race karts. So Pécleas is leading Nicolas Duchateau. Nicolas Duchateau this year had a very strong result at the French Rotax Max Master Championship, where he won when he took a national title. And Nicolas Duchateau is all over the back of Jérémy Pécleas' kart. Jérémy Pécleas is still in the lead, but Duchateau is pressurizing the Belgian. Then we have an excellent Gutti Mikkelsen, number 404 of Team Magic. He is also a car racing driver. He's racing in the TC2000 Peru and Endurance Championship. Gutti Mikkelsen in P3, and Wilfried Le Carpentier is charging. He's charging in fourth position. Mr. Le Mans won 8 times the Le Mans 24 Hours for karts, and he was 14 times on the podium for this great endurance race. C'est vrai. Alors que devant, eh bien, c'est toujours le Belge, Jérémy Pécleas, qui est aux commandes, ce numéro 409. Il avait 4 dixièmes, il avait un peu plus que ça maintenant sur le français Nicolas Duchateau, qui est à la seconde position. Et puis derrière, on est beaucoup plus loin, car ça bagarre. Si. Gutti Mikkelsen est à la troisième position. Quatrième, Wilfried Le Carpentier. Il a derrière lui Fabien Keltika, le Belge, qui est donc à la cinquième position. Derrière Keltika, Alexandre Léota en sixième position. Derrière Léota, le 441, Franck Rouxel. Franck Rouxel qui est premier dans la catégorie des vétérans. Franck qui a derrière lui Gilda Quinquet, qui est à la huitième position maintenant. La neuvième pour Jérémy Hanekan. Et Kenneth Chung est à la dixième position en ce moment. Ah, Jérémy Pécleas continue d'accentuer son avance. Elle était de 9 dixièmes. Là, je crois que ça passe la seconde actuellement sur Nicolas Duchateau, qui est toujours en seconde position. Troisième position occupée par le 404, le Péruvien Gutti Mikkelsen. So I can see that Wilfried Le Carpentier is now running in third position, up to third, Wilfried Le Carpentier.
Yes, he overtook Gutti Nicholsen, and is the same drivers in P1 and P2. And we have the red and yellow stripe flag for change of grip. Maybe some more rain. Yes, around the circuit we see this flag shown to the drivers for a change of grip, unfortunately. So Pécresse leads Duchâteau with four laps to go. Yes, this flag is also shown in the main straight. So it's Pécresse, Duchâteau, Le Carpentier in third, Mikkelsen in fourth, Alexandre Léota, and the first of the veteran class in sixth, that's Franck Rouxel. Alexandre Léota qui s'est donné une grosse frayeur dans le gauche d'entrée du banking. Léota est presque à Léota. Bien, bravo, 20 sur 20. Il est maintenant en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position Alexandre Léota, alors qu'il était à la 5e. Cette petite... Elle est pas mal. Ce petit travail, oui, allez-y. non, elle était pas mal. Pécresse, Duchâteau, Le Carpentier, that's the top three with a Belgian and two French. And then from Peru, it's a long journey to join Le Mans from Peru for Gutti Mikkelsen, but we know that the Peruvian drivers like France and like the X30 world of the Yamaha. So Mikkelsen is the best Peruvian driver in this race, and he races in P4 ahead of it's not going to be Alexandre Léota in P5, I'm not sure. We have to check, of course, where Léota is now in P8, I'm afraid. And Franck Rouxel, who is leading the veteran class, is in P5 overall ahead of Fabien Kiltika with Gilles Descaquet, who started from pole. He's in P7. Nouveau tour de bouclé dans quelques secondes maintenant par le leader, Jérémy Pécresse, qui nous fait une démonstration actuellement. Il accentue toujours son avance sur le français Nicolas Duchâteau, qui est à la seconde position. 2 secondes 8 d'écart entre ces deux premières positions. Wilfried Le Carpentier, le 450, est à, on va dire, un peu moins d'une seconde de Nicolas Duchâteau. Ce pilote français, 8 fois vainqueur des 24 heures, il est à la troisième position. Quatrième position pour le Péruvien Gutti Mikkelsen. Franck Rouxel, le 441, est toujours à la cinquième position. Et non, il a passé Mikkelsen. Franck Rouxel est à la quatrième position, Mikkelsen en cinquième position, sixième Gilles Dacquinquet, septième Fabien Kiltika, huitième Alexandre Léota, derrière Alexandre Léota, c'est Kenneth Chung, le 531 qui est à la neuvième position, second chez les vétérans, top 10 terminé par Grégory Jolinet, le 493, le meilleur temps c'est Chung qui l'a réalisé en 57 secondes. 164 millième. À vos souhaits, Jean-Pierre. Donc, impressive performance for Franck Rouxel, who is the best of the veteran class, and he, in the overall classification, he's in P4, which is really, really strong, and he overtook Gutti Mikkelsen from Peru to reach this fourth position, and the first one for the drivers age 45 and over. So it's still Pécresse and Duchâteau, and Le Carpentier, the top three drivers in the last lap of the race. So we will maybe celebrate a victory for a Belgian racer, a Belgian driver, in a few seconds after 10 laps completed. And Chung set the fastest lap in the race, the driver from, I think it's from Hong Kong maybe, Kenneth Chung, number 5, 31, is also a veteran driver. So he's aged over, his age is more than 45, number 4531 from Hong Kong. And he was 34th last year in the final, and Pécresse wins. Pécresse takes a well-deserved win in this heat ahead of Duchâteau, Le Carpentier. And the best of the veteran class, Rouxel, Gutti Mikkelsen in P5, Fabien Kiltika in P6, Gildas Quinquet in P7, Alexandre Léota is 8th, Grégory Jolinet is 9th, and Jérémy Hannequin is P10. The French drivers are strong in master, but they found a Belgian driver who was even faster.